Bonjour à tous. Aujourd'hui, sorti avec mon VTT Rockrider EST100, je vais essayer de faire le Terri de Mazagarb. On va voir ce que ça donne. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que je faisais pas avec l'autre vélo, des grimpettes que j'arrivais pas à monter du tout, du tout. Donc, je vais essayer avec ce vélo et on verra bien ce que ça donne. Allez, à plus sur le bike. Encore beaucoup de vent. J'espère qu'on n'aura pas la pluie.
magnifique. Séance en pause. Encore beaucoup de vent. Bon voilà, sur le chemin du retour.
20 km pour l'instant, je suis encore rentré. Il reste encore 2 ou 3 km je pense pour rentrer à la maison. J'ai vraiment aimé cette sortie. Le Terry, ben, ça passe. Manque quand même 2 pignons à l'arrière je pense. Bonjour, merci. Ouais, je disais, je pense que la prochaine chose que je vais faire, ça sera mettre une cassette de vitesse. En 11,42, ça sera, je pense que ça sera suffisant pour échanger le dérailleur, shifter, comme j'avais fait sur mon 520. Et puis frein hydraulique. Je pense que ça sera pas mal les modifs que je vais faire dessus. Les pneus. Ah, les pneus, ouais, c'est vrai. Les pneus Décathlon, c'est pas le top. Alors peut-être repartir sur du taureau comme j'avais sur mon ST520. Surtout pour cet hiver, je pense que avec la boue, bah, les pneus Décathlon, j'ai déjà eu ça sur le 520, c'était pas top, 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 ça glisse partout. Contre les taureaux, bah, j'ai kiffé le taureau, j'ai franchement adoré. Un pneu super polyvalent. Et dans la boue, bah, jamais eu de problème dans la boue. Bon ben voilà, je suis arrivé. Je vais vous quitter. Allez. Le test de ce vélo, ben franchement j'aime bien. Je retrouve du plaisir, beaucoup de plaisir, que j'avais plus avec l'autre vélo. C'est sûr que l'assistance, ça me permet beaucoup de choses. Alors les grimpettes, tout ça, j'adorais, surtout, beaucoup, beaucoup. Je pouvais plus faire avec l'autre vélo, problème de santé. Donc je suis bien content d'avoir pris ce vélo. Alors, j'espère que ça va continuer. Et puis, j'espère faire beaucoup de balades et beaucoup de vidéos avec ce vélo. Allez, à plus.